Du coup, on est avec la parole numéro combien, on est en train de dire? Non, 33. 33, 33. Donc, Abdelrahman, il dit à son père, je t'entends matin et soir, tu répètes cette parole-là. 32, il a raison, Aïman, il a raison. Matin et soir, tu répètes cette parole-là. Et Abou Bakr, il lui dit, oui, mon fils, j'ai entendu le messager de Dieu prononcer ces paroles et j'aime me conformer à sa tradition. Voilà, il vient de nous sauver, Abou Bakr. Depuis le début, je vous dis, pour des paroles, faites-le parce que le prophète l'a dit. Je vous dis qu'il nous a sauvés, ça sent la grillade. Oh, j'aime trop les grillades. Voilà. Il n'y a pas une gra contre ceux qui font des grillades pendant que nous, on a envie de faire une grillade. Si tout va bien, demain, ma famille va l'organiser une grillade. Je peux vous dire que pour le coup, je vais être content de partir. Croyez-moi, je vais être très content. Mais s'il l'organise, parce que l'organisation, elle est toujours pas au top du top. Donc s'il l'organise, cette fois-ci, Inch'Allah, je vais aimer y aller. Là, il nous sauve pourquoi? Parce qu'il dit exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. J'aime me conformer à sa sunna. Ok? On fait parce qu'on aime se conformer à sa sunna. 33e parole réellement du coup. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Eh bien, Shaddad ibn Aws a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure formule pour implorer le pardon à Allah, alors attention avant que je dise le reste, pour implorer le pardon, pour que tu demandes pardon, pour que tu obtiens le pardon de Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire at-tawba, ok? Vous allez faire at-tawba, vous allez regretter, vous allez demander pardon, vous allez faire une prière de Dolak'a, vous allez promettre de ne plus recommencer, vous allez chercher le pardon auprès de la personne si c'est un mal à quelqu'un. Et ensuite, toute votre vie, vous allez demander pardon, et en plus de ça, vous pouvez rajouter cette formule-là. Mais c'est pas je fais ça et ça y est, Allah Ta'ala m'a pardonné. Ça ne marche pas de cette manière-là. Et bien d'après Shaddad ibn Aws, le messager de Dieu a dit, la meilleure formule pour implorer le pardon de Dieu est, et il dit, cette parole-là. Celui qui la prononce, il dit, alayhi salam, celui qui la prononce avec foi, avec iman. Et ça, alhamdulillah qu'il a dit ça. C'est pas juste celui qui l'a dit. Celui qui la prononce avec iman. Ok, avec iman. Le soir, puis il meurt la nuit même, il entrera au paradis. Et celui qui la prononce avec foi le matin, puis il meurt le jour même, il entrera également au paradis. Ok? Mais bien sûr, il a dit, alayhi salatu salam, qu'il la prononce avec iman, avec foi. Est-ce que tu peux fermer la fenêtre de mon bureau, au cas où la graine, elle vient de là-bas? J'aime l'odeur de la graine, mais ça se met ensuite sur les vêtements, j'ai tout mon linge, ça va pas être bon. Bien sûr, on va attendre. Ne vous inquiétez pas, on a bientôt fini. Hein. Je dis ça comme si vous inquiétez. Vous vous inquiétez de l'heure? Non. Sûr, ça va? Non, juste, je peux partir à 20. À 20, pas de problème. T'es de garde? Non, je travaille à 22h. Inch'Allah. C'est bon? Je passe vraiment au voisin, ça va être bon. Ok. Et il faut que tu passes chez toi avant? Ouais. Ok. Ensuite, parole suivante. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. D'après Zayd, le protégé du prophète, Zayd, c'était vraiment celui qui est le fils adoptif du prophète, très proche de Nabi. Eh bien, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui dit je demande pardon à Dieu en dehors de qui il n'y a d'autre divinité qui ne mérite d'être adoré, etc. Eh bien, Dieu lui pardonnera ses péchés, même s'il aura fui au moment de l'assaut. Alors, il dit ici, attention, il dit, même s'il aura fui au moment de l'assaut au combat, encore une fois, il faut le recontextualiser. Pour nous, ça ne veut rien dire, ok? Pour nous, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de cette notion-là. Donc là, pour nous, cette partie-là, elle ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est si je vais dire cette parole-là, alors Allah Ta'ala me pardonnera, à condition que je le fasse avec foi. Volontairement, je ne vais pas faire semblant que l'autre partie du hadith, elle n'existe pas, ok? Je le dis, mais je vous rappelle, attention, un hadith, on le recontextualise, on ne le prend pas comme ça mot pour mot, ok? Et donc, ça veut dire que tu ne peux pas dire au nom de ce hadith-là, demain, la France, hier, j'ai vu le ministre de la Défense, il a dit,
Son objectif, c'est de mobiliser 100 000 réservistes d'ici 2030. Admettons, tu es réserviste et tu fais cette parole-là et la France a besoin de toi pour aller en guerre. Et tu vas dire, ah ben non, ça y est, je refuse d'aller au combat, dans tous les cas, je vais dire cette parole-là, donc Dieu va me pardonner. Là, on a dit que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Défendre ta patrie, vous, pour vous, vous êtes français, défendre notre patrie, c'est un devoir. Si la France attaque injustement, ok, bien sûr qu'on a le droit de dire, bah, si je suis militaire, je n'ai pas le choix. Ok, si je suis militaire, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas me rebeller. Mais si je suis un civil qui est mobilisable, à ce moment-là, comme beaucoup de, j'espère, comme beaucoup de citoyens en France, on va descendre dans la rue et on va dire, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Quand les États-Unis ont voulu frapper l'Irak, des millions d'Américains sont descendus dans la rue, ils ont dit, on ne veut pas la guerre, on veut la paix. Okay? Donc, quand ils ont attaqué le Vietnam, c'était pareil, et ainsi de suite. Okay? Donc, à ce moment-là, ici, ça sera exactement pareil que l'on va faire. Donc, il ne faut pas le voir ou l'interpréter comme un appel à quoi que ce soit. 35e, bien sûr, c'est Salat ala Nabi. Okay? En l'occurrence, ici, c'est Salat Ibrahimiya. Et là, la récompense, vous la connaissez, bien sûr, c'est quoi? Quand je fais Salat ala Nabi une fois, Nabi alayhi salam, Allah Ta'ala lui remet son âme dans son corps et il répond à mon salam 10 fois. Quel que soit le Salat ala Nabi que je fais, ne serait-ce que As-salat wa salam wa alayka ya Rasulallah. Ou bien Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ou bien Allahumma salli ala Muhammad. Peu importe comment je vais le faire, Allah Ta'ala lui renvoie son âme et